Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Papy 15 et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de Papy 15 raconte une histoire et aujourd'hui je vais vous conter celle eh bien, de l'histoire de ma PlayStation 3, enfin de notre PlayStation 3 plutôt, vu que c'est celle de la maison. Du coup, bah, quand est-ce que qu'on l'a eu tout simplement, bah, je n'en ai aucun souvenir. Je ne sais d'ailleurs même plus comment mon père l'a acheté, parce que bah, c'est mon père d'ailleurs qui l'avait acheté au tout début bah, pour pouvoir jouer à certains jeux dessus. Il y jouait de temps en temps, mais pas autant comme moi ou mon frère ou ma soeur par exemple. Et du coup, je suis en train de regarder la date de sortie de la PS3 en France. C'est sorti en 2007. Ah oui, quand même. Le 23 mars 2007 en Europe. Donc, ouais, quand même pas mal. Donc, ça commence à dater. Et donc, j'imagine que mon père a dû l'avoir dans cette période-ci, 2007-2008, peut-être 2009. Principalement, du coup, nous, quand on y jouait, c'était à Gran Turismo, si je me trompe pas, qu'on avait sur la PlayStation 3. Je ne saurais plus dire si c'était lequel, peut-être le 3. Je sais plus. Mais bref, dans tous les cas, on jouait à seulement ce jeu-là, principalement sur la PS3, bah, parce qu'on n'avait pas d'autres jeux qui nous intéressaient. Il y avait peut-être 2-3 autres jeux, mais sinon, sans plus, quoi. Et sinon, principalement, le jeu qu'on a pensé sur PlayStation 3, bah, c'est Minecraft. Quand c'est sorti sur PlayStation 3 et que bah, mon père a vu que c'était dispo sur PS3, tout simplement, eh bien, on a tout simplement joué. Ah, c'était Gran Turismo tout court. Donc, ça devait peut-être être un reboot ou le premier, à ce que je vois. Donc, Minecraft, meilleur jeu, j'ai envie de dire. On doit avoir des milliers d'heures dessus. Malheureusement, la PlayStation 3 a mal fini. Je sais plus si j'ai déjà raconté l'anecdote ou non, mais dans le doute, c'était en été 2019 du coup, et on était à la plage avec certains de mes cousins, mon frère et ma soeur, ma tante et tout. Et il y a mon petit cousin du coup qui, quand il venait, aimait bien jouer à la PS3, à Minecraft principalement avec nous, même si nous on s'amusait plus à le troller qu'autre chose. Et mon frère du coup qui lui voulait la PS4, a obtenu la PS4 s'il devait faire certaines choses, comme ne pas faire chier entre guillemets durant ses vacances à la plage, ce qui a été chose faite, donc il s'est forcé à fermer sa gueule. Plus ou moins, hein. C'était les choses qu'il devait faire. Et sinon, parce que bah, mon père pas du tout posé la question, il a totalement donné la PlayStation 3 à mon petit cousin, alors que ça, la console ne leur intéresse pas vraiment en fait, et ils ne jouent jamais dessus. C'était vraiment parce que bah, mon petit cousin est une grande gueule et que dès qu'il demande un truc, mon père du coup lui refuse jamais rien, et du coup ça nous a vraiment saoulé avec surtout mon frère. Ma soeur s'en foutait plus ou moins, malgré le fait que ça la faisait chier un peu. Donc ça a été vraiment très chiant pour le coup, et du coup ça nous a dégoûté de perdre la PS3, alors que bah, outre Minecraft, bah, on avait aussi d'autres jeux sur la console qui aujourd'hui on ne peut plus forcément y jouer. Donc faudrait qu'on rachète une PS3. Donc bon, l'histoire de notre PS3 a très mal fini et elle a plus ou moins bien commencé. Donc est-ce que c'est une bonne histoire? À vous deux, de juger en commentaire. J'espère que cette anecdote vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, axer la cloche, à mettre en commentaire si vous avez eu une PS3, quels étaient vos jeux préférés, combien de temps avez-vous passé dessus, et est-ce que vous avez eu la console simplement. Et sinon, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est 25 et je veux dire enjoy.